Bonjour, nous allons faire une excellente recette à manger des frites sans culpabiliser. C'est possible? Oui. 7 fois moins de calories qu'avec la friteuse. Il y en a qui me disent, mais j'ai pas de friteuse, comment on fait? Vous allez voir, très très simple. Frites sans friteuse, est-ce possible? Oui. Et sans culpabiliser. Vous êtes prêts? Intro! Pour les ingrédients, mettez un peu ce que vous voulez. Moi, je mets de l'ail. Je mets des petits piments de cayenne, un tout petit peu. Après, ça, c'est facultatif. Je veux dire, c'est par rapport au goût. Je mets du paprika doux, du sel et du poivre. Et des pommes de terre, bien sûr. Frites sans pommes de terre, c'est pas des frites. Vous prenez des frites fraîches, pas congelées, fraîches. Vous les coupez comme ça, comme des frites, tout simplement. Dans une casserole et vous remplissez ça d'eau. Les recouvrir d'eau. Une fois que l'eau se met à bouillir, vous les laissez 5 minutes à cuire dedans. Donc on va faire ça ensemble, vous allez voir, c'est une facilité. Alors là, ça chauffe. Ça commence à bouillir. Donc à partir de ce moment-là, on va les laisser cuire 5 minutes dans l'eau. Je vais laisser cuire ça, puis écoutez, après, on va montrer après comment on fait pour le reste. 5, 4, 3, 2, 1, stop! C'est fini! Qu'est-ce qu'on fait après? Vous prenez une passoire et vous allez goûter ça dans votre évier. Moi, je reviens tout de suite. Vous mettez ça dans un plat et moi, j'ai rajouté de l'ail, du paprika, un petit peu de piment de cayenne, du sel et du poivre. Voilà. Et là, on mélange tout ça. Ensuite, on met ça sur un plat. Allons au four. Votre plaque, c'est très bien la plaque, hein, sulfurisée. Et on étale bien tout ça. Et moi, je vais mettre ça au four. On enfourne ça à 180 degrés. Moi, j'irai entre 20 et 25 minutes. Ça dépend de votre four. S'il chauffe bien, faites attention. Si vous voulez plus croustillant, vous mettez un peu plus. Alors, rien n'empêche, quand vous mettez au four, d'un petit peu les retourner pour que ça grille bien partout. Donc, je reviens tout de suite pour la dégustation. Donc, moi, je file mettre ça au four. À tout de suite. Je viens de les sortir du four. Alors, je vais en goûter une. Alors, moi, sincèrement, je les ai mis une demi-heure parce que j'aime bien que c'est un peu croustillant. Et la dernière minute, je l'ai mis à 200 degrés. Donc, je vais la goûter. Bon petit goût de paprika, d'ail. Moi, je le trouve meilleur qu'à la friture. Après, chacun ses goûts. Hein. Voilà. Faites-les, dites-moi ce que vous en pensez. On peut manger des frites sans culpabiliser. On ne parle pas la bouche pleine. La vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Alors, continuez à partager ma page, à liker, à vous abonner en haut. Donc, je vous fais tous des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir !